Salut les amis, on est de retour dans le terrier, welvenue, mettez-vous bien, prenez une bonne bière, des chips, ce que vous voulez, parce qu'on est sur Gears of War 4, et sur Gears of War 4 c'est un jeu où ça bourrine, et du coup une bière ça passe bien pour ça. Ouais, ah ouais, ça passe pas trop mal. Iti, es-tu là? Re. Oui, je suis ici. Ah, c'est bon, on va pouvoir continuer alors? Oui. Alors normalement j'ai un peu moins de soucis avec mon micro, voilà, je l'ai expliqué hors rediff à mes auditeurs mais pas à vous YouTube. Mais par contre il y aura peut-être un bruit de fond parce que j'ai enlevé la suppression de bruit du micro qui était beaucoup trop gourmande. Mais bon, ça devrait pas être trop gênant étant donné que le bruit de fond est très léger parce que j'ai un micro pas trop mauvais, voilà. Joue à la manette comme ça tu peux t'éloigner un peu. De quoi il parle? Non mais on joue au clavier nous, non, on est des gamers. Non mais j'ai pas de recul. Non mais j'ai pas de recul. C'est-à-dire que derrière, j'ai le fond vert, c'est-à-dire que je peux pas reculer plus que ça, en fait. Avec le fond vert derrière. Voilà, je suis au maximum, là, je peux pas reculer plus. Et je pourrais pas reculer beaucoup plus que derrière, il y a des meubles. Derrière, là, il y a un canapé, il y a des meubles. Derrière le fond vert. C'est pour ça qu'il est si prenant. Tu sais que normalement, un fond vert est censé être assez éloigné de toi pour que l'incrustation se fasse parfaitement. Bah oui, mais... Je tenterais bien de me remettre un petit fond noir, moi, comme à l'époque où un peu à la level 1, au lieu d'un fond vert. C'est plus simple à éclairer. Il a fait derrière l'émission Level 1. Ouais, il recommence Level 1, effectivement. Il a annoncé. BG, t'as entendu? Ils sont en train de remasteriser apparemment une très très grosse rumeur qui dit qu'ils sont en train de remasteriser Mafia 2 et qu'ils sont en train de faire Mafia 4. Hein? Oh, hein ça c'est beau, hein, t'as ça. T'as vu? Qui s'en fout de Mafia? Levez la main! Levez la main que je vous élimine tous! Sans exception. Bah, tu vas devoir finir le jeu tout seul. Je sache. Qui tue. Oh, c'est là, ceux qui s'en foutent. Voilà la tour de construction. S'ils suivent la réglementation, et ils la suivent toujours... Ok, le fabricateur est à l'intérieur. Et cet accès de service, c'est notre point d'entrée. Attends, le nom des armes, quoi. Le fabricateur. Mais c'est un truc dans Ratchet & Clank, ça, normalement. Trouvons cette porte d'accès. C'est vraiment nanardesque. J'aime bien. Kaiva a levé la main, je tiens à le dire. Oh! Tab! Tu t'en fous de Mafia 2? Brochure génisme, c'est juste. Pourquoi la thérapie génique? Parce que la personnalité d'un enfant ne peut être laissée au hasard. Nos grands reprogénéticiens vous aideront à développer le bébé de vos rêves. Ah ok, c'est pour choisir l'enfant que tu veux pendant que... Ok, très bien. On se dirige vers ça d'ailleurs. On commence à pouvoir modifier les gènes pour... On veut l'utiliser pour empêcher certaines malformations liées à des gènes ou des maladies comme ça. Mais on peut vite tomber dans le truc un peu trop chelou. Mais ça commence à devenir réel, ça. Attention. C'est pas que de la fiction. Vu le choix du 3. Va savoir. Peut-être qu'ils se rattraperont après avoir fait le 3, justement. Moi, je suis content qu'ils sortent un 4. Je suis content qu'ils sortent un 4. Ça leur permet de se rattraper sur le 3 et de faire le juste milieu entre le 2 et le 3. Tu vois ? Ce serait parfait. Le 3 c'est trop, le 2 c'est pas assez. Fuck! Fuck! Trop tard. Bah tu permets, moi je vais me rapprocher de la fight. Hein. Ah ah! Mister détruit! Bien sûr, j'ai encore que ces putains d'armes de corps à corps. Casse-toi! Cassez-vous! Faut vraiment que je change parce que le pompe, tu peux vraiment pas tirer de super loin. Faut que je trouve un lancer! Moi je veux un lancer! Bien que je fasse attention au son. Tiens, mange ça. Vas-y, rapproche-toi. Pardon. Je t'ai quand même tiré quasiment au corps à corps aux pompes, s'il te plaît, monsieur. Hein? Oh. C'est ouf, ça, hein? Le problème avec Mafia, c'est que ça me saoule. Ah, très bon argument.
De quoi? On va essayer cette arme là. Hein. On va voir ce que ça va donner ça. Raphaël, bah ouais, mais ça a encore coupé, j'ai rien compris. Je disais que j'étais désolé pour Raphaël. Ok, l'objectif est là-bas, apparemment. Mais c'est pas cool, pourquoi ça plante autant Discord? Les gars, il y a tout un régiment de devbots qui nous attaquent dessus. Oh fuck! Ça va péter! Bah, c'est pas tellement mieux cette arme. Cette chose est morte. Contact multiple repéré. T'as encore des grenades? Parce que là, ils sont tous groupés, ça aurait été le moment. Bah, j'en ai lancé une, mais. Comme t'as pu le voir, ça leur a pas fait plus de dégâts que ça. Eh, j'ai plus de munitions. Pardon? Encore un meilleur en moins. Mais quel enfoiré. Il me faut des munitions. Ça, c'est le dernier. Là. Voilà. Nous, les jeunes. Allez, on va voir comment voler ce foutu fabricator. Eh, hey, laisse-moi mes munitions. Ça fera l'affaire. Le fabricator. Ça part vachement trop vite, ces munitions de l'exécuteur de choc, là. Ça tire tellement vite que les munitions, elles partent en 2-2, quoi. Ah, mais on fait comment pour mettre un coup de pied? Oh, regardez ça. La CGU a désactivé nos codes d'accès. L'État nous aime pas trop, tu sais. Quoi? Bonne nuit, Priscilla. Faites beau rêve, prends soin de toi, merci de passer. À la prochaine, ciao, bisous. Laissez faire le pro. Poussez-vous. Un coup de pied, tu dirais un coup de corps à corps, du coup? Ultra moderne, ça m'étonnerait. Ok. Donc apparemment, les petites boules, il faut mettre un coup de pied, c'est plus rapide. Allez récupérer le fabricator. On surveille la porte. J'y vais aussi. Ah. Ah non, pas toi. C'est plus sûr ici. La porte se ferme, les bleus. Kate. Et merde. Il est pas content en Gimli. Ouais, notre fabricateur se trouve dans un de ses entrepôts. Bon, au sol. Techniquement, c'est leur fabricateur. Actuellement, oh. Chapitre 2. Ah oui, effectivement, on était pas loin du tout du chapitre 2. Hein. Mais bon. Ouais. Oh, c'est vrai que là, l'éclairage est pas mal. Ok, voilà les. Oh, j'aime bien ce style d'environnement bleuté, comme ça, ça passe super bien. Le teal and orange. Ça passe toujours bien, le teal and orange. Hop, hop, hop. Faut appuyer là, je crois. Oui, je me regarde le décor. Toutes les tours de construction sont aussi énormes. La taille, la forme, la structure, tout est identique. Ok, on descend dans les entrepôts. Et du coup, pourquoi on a besoin du fabricator? Ils veulent faire une ville à eux, c'est ça? Kate, viens avec moi. Ça marche. Amusez-vous bien, tous les deux. Qu'est-ce que tu fais, E.T.? Je suis en train de regarder dans les coins, mais faut que j'aille où? Par là? Sur la plateforme. J'arrive. Je suis là. On est dedans. Fais-nous descendre. Pourquoi je crois qu'on va se faire attaquer pendant qu'on descend? C'est tellement... Y a un problème? Non, non. J'essaie juste de comprendre comment ça marche. Ah, c'est bon. Oh. Et là, on monte, on se fait écraser par les machins dessus. Mais ça sent encore le... Ça sent le traquenard. Ouais, mais toujours dans le genre de jeu. Tu crois que je peux te taper? Hé, hey, qu'est-ce qui se passe? Y'a plus de courant? Ah, je suis dessus. Vous avez vu comment il est violent avec moi? Toujours. C'est pour créer des ressources. Je trouve ça super joli. D'accord, apparemment le fabricateur sert à créer des ressources. Ouais, je fais ce que je peux. Oh la vache! Les ressources sont super complexes. Oh oh. Et maintenant? Merde! Del, mais qu'est-ce que tu fous, bordel? Désolé, je me suis fait éjecter du système. J'ai tout coupé pour reprendre le contrôle. Tu commandes cet engin ou pas? Ouais! Enfin, je crois. Il y a des bobines en dessous. Si on doit friter cette armée de robots, on n'a pas assez de munitions. Moi, je te le dis. Mais t'inquiète. On s'en sortira comme toujours. Au pire, l'un de nous deux mourra et on devra continuer sans l'autre, mais c'est pas grave. C'est bon, vous y êtes. Allez chercher le fabricateur. Kate, fais-moi penser à te confier les commandes la prochaine fois. Ok. Hé, j'ai entendu. Putain, mais les robots, ils sont classe, hein. Ah, là, il y a les petites bouboules. Les droïdicastes. Regarde, voilà le fabricateur. C'est ça, le fabricateur? Pourquoi ça paraît trop simple, en fait, pour l'instant?
Allez, ah, attends, non, on va devoir. Oh là 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 là. Oh, ça, ça me plaît pas, ça. On va faire l'inverse plutôt. J'ai pas envie que ça... j'ai envie que ce soit moi qui tire et toi qui. Enfin, moi qui tire et toi qui tire, mais pas la même façon de tirer, tu vois ce que je veux dire. En fait, on pouvait bien le porter à deux. Ouais, ouais, c'est ça. Bon, tu laisses, tu me laisses faire tout le boulot. Tu peux le remonter. Ça marche. Oh là 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 là. Mais déjà, le problème, Tintin, c'est que j'ai pas fait le 2. Enfin, si le 2, je l'avais filmé, mais le 3 et le 4, et enfin, le Judgment, je sais. What? On peut créer des armes? C'est le truc le plus nul que j'ai entendu aujourd'hui. Mais la journée n'est pas finie. Alors, faut prendre quoi, les gens? Marksma MK1 ou KO Max ou. Wow, wow, wow. Del, Del, le Marx machin, il a l'air d'être bien, ça, je vais me prendre ça, moi. Merde! Le verrouillage de sécurité s'est mis en place. Je me suis encore fait éjecter du système. Yes, aïe. Alors, il a l'air d'être très bien celui-là. Encore des pisteurs. Ah non. Il a dit qu'il fallait leur donner des coups de pied à ceux-là. Ah, effectivement, ouais. Ça marche bien. Repousse-les. Destructor. C'est quoi le destructor? Ah, c'est le pompe. Mais non, il est chiant le pompe. Envoie-les d'autres. Voilà comment faut. Il y en a encore d'autres. Belle, t'en es où? Je me réintroduis dans le système. Attends, je crois que c'est bon. Fuck. Un pisteur en moins. Venez m'aider. Mais non, mais. Mais tu mets sérieux combien de temps à me relever, toi? Ah, oh, sérieux? Mais j'ai essayé. Mais le truc, il fait pas l'action et je vois le machin apparaître, donc je me tire. Attendez, analysons cette phrase. Analysons cette phrase. Le truc, il fait pas l'action et je vois pas le machin partir. Ça ne veut rien dire. J'ai appuyé sur E, ça a pas lancé l'action et du coup, j'ai vu l'ennemi arriver et je me suis dit, ça a rien, si je vais être stun, je vais pas pouvoir faire l'action non plus. Donc je me suis rééloigné. Effectivement. Mais je retiens qu'il faut pas écouter Tintin et du coup faut pas les attaquer au corps à corps, les petits trucs. Hein. Pourquoi? Il t'a explosé la figure. Non, mais il y en avait des deux côtés. J'aurais dû te dire, je pars sur le côté opposé à celui où t'étais en fait. Parce que j'ai vu que t'étais de l'autre côté, je me suis dit, c'est bon. Il s'occupe c'est de ce côté-là. Bon, et je me suis occupé de l'autre. Merde, attends, faut que je refabrique des armes du coup. Faut que je refabrique les armes. Mais moi je veux un Lensor, pourquoi on peut pas fabriquer un Lensor? Voilà. J'aimais bien lire à la le truc le plus nul que j'ai entendu aujourd'hui, mais la journée n'est pas finie. Y'a pas moyen de remplir les munitions avec ce genre de truc? Alors le KMAX apparemment il est pourri, hein, faut pas le prendre. Non mais vous êtes nul aussi. Attends. Bah vas-y, viens sur Overwatch que je te mette ta misère. Sécurité s'est mis en place. Je me suis encore fait éjecter du système. Et il est pas très doué en hacking le mec, hein. Je tiens à le dire quand même. Ils viennent que de ton côté pour l'instant. Il y en a un qui arrive encore. Oh fuck. Et bien sûr, mon arme s'enraye et après je suis stun. Mais il crève! Oh, il est vraiment nul ce petit flingue, c'est ouf. Oh fuck. T'occupes de ce côté-là, hein, c'est bon. Comme ça, t'as rien à faire, c'est ça que tu es en train de dire? Bah, ils arrivent de l'autre côté aussi, donc c'est. Fuck! Ah, mais qu'est-ce que t'as fait? Bon, écoute, si tu crois que c'est simple, toi t'as une mitrailleuse, hein, pas moi. Mais j'utilise pas la mitrailleuse. Mais tu utilises quoi? Bah, j'utilise le fusil à pompe là. Mais quand t'as un fusil à pompe? Mais j'ai plus de pompe moi. Bah, depuis le début. Là, j'ai quasiment plus de munitions. Moi je veux une mitrailleuse, je veux un Lensor, mais y'a pas de Lensor. Le KO Max c'est bien. De toute façon, truc machin qui de quoi. C'est lui qui enregistre le clip. Je suis obligé de garder le sniper Kaiva parce que franchement y'a pas beaucoup de munitions, c'est chiant. Je veux bien qu'il fasse des dégâts, hein, mais. Oula. Fuck it. Assaut sur les cibles.
Attends, mais il faut que je leur mette combien de balles dans la tête pour qu'ils crèvent, là? Joli. Elle, ferme les portes de sécurité. Joli. Voilà. J'ai bientôt plus de munitions. Hein. C'est la cata. Pourquoi ça sonne de ce côté-là? Encore un veilleur en moins. Cool. Chicolien hors la loi identifié. Je recharge. Ok, donc je peux balancer le sniper. Bah, je vais prendre le fusil à pompe alors. Hop, à la place du snipe, on reprend le fusil à pompe. Je veux bien que ce soit fort le sniper, mais il est chiant. Comment tu fais pour le détruire aussi vite? Je l'avais déjà pas mal tiré dessus. Ah, ok. Monte ta tête! Ok, très bien. Il n'y a pas beaucoup de munitions. C'est où que ça sonne? Oh fuck. Utilise le verrouillage pour nous couvrir. Oui mais ça j'ai déjà fait, merci. Ah mais ouais, forcément. Tant que j'appuie sur le bouton, j'étais KO. Attention. T'en es où? Je me réintroduis dans le système. Attends, je crois que c'est bon. Je vais fabriquer des grenades aussi, tiens. Quoique non, ça coûte. Ah, énergie disponible. En fait non, ok, c'est... ça se recharge. Regardez. Hop. Ce que j'ai trouvé. Je pense qu'en fait on est censé utiliser ce truc justement ici pour reprendre des munitions. De quoi? Bah le fabricateur au milieu de la pièce. Tu l'utilises pas depuis tout à l'heure, c'est ça que t'es en train de me dire? Merde, j'ai plus de munitions. Non. Oui, s'il te plaît. Non, j'essaie d'éviter ça. Parce que moi ça me met pas les munitions en fait. Hein. Non mais t'as plus qu'à en refaire vu que ça se recharge tout le temps ce truc. Quand on recrée un, t'as des nouvelles missions. Attends. Oh la vache. Ouais, je sais. Ils me sont tombés dessus. Je vais avoir besoin d'aide. Kate, on doit le sortir de là. Oh fuck. Il est où? Là. C'est jour. Ok, à qui le tour? Allez! Unité à l'assaut. On est dégommé un. Parfait. Activation du mode défense. Et rends-moi mon arme! Oh le bâtard. Non, viens pas t'aider, tu nous casses les couilles. T'as qu'à être bon. Encore une victime. Citoyen hors la loi identifié. Un bot en moins. Ok. Bon, ça va. Je vous fais redescendre. Ouais. Ouais. Ça serait cool. Parfait. Merci de me faire redescendre et puis merci de m'ajouter des munitions. Parce que je vois pas comment tu peux créer des munitions avec ça en fait. Bon, c'était sympa. Sortons le fabricateur d'ici. Ah, les ennemis, oui, ils tiennent bien, hein, parce que. J'en mets des 3 têtes et ils sont pas morts quoi. Faut 4 têtes pour les buter avec le semi-automatique. Tu te souviens de ce que t'as dit à Reyna quand on parlait de trouver un fabricateur? Allez, vas-y, je t'écoute. On rentre et on ressort. Un jeu d'enfant. Sans les mains. Bah quoi? Ça veut dire qu'on a fait le plus dur, pas vrai? Allons voir Oscar. Souvenir. Sans les mains, Oscar, on a le fabricateur. Thor. Oh. Salut. Lieutenant, ça faisait longtemps. Premier ministre. On dirait le marshmallow dans Why Met Your Mother. Magnétique. Marshpilot, par contre. Vous venez avec nous. Jamais vu cela. Et ils sont armés? Eh oui. Et ce qui est plus important,
Contrairement à vous, c'est qu'ils exécutent les ordres, eux. Eh, c'est bien trouvé comme car design. Refaire le camp 2. Une opération très réussie. C'est désormais notre camp le plus conforme. Le village n'a plus d'électricité depuis des semaines. Il nous faut le fabricator. Je me contrefous de ce fabricator. Vous me prenez mes gens. Quoi? N'oubliez pas, je sais ce dont vous êtes capable. Au revoir. Mais de quoi elle parle, bon sang? Aucune idée. Mais faut partir vite d'ici. Il y a l'air d'avoir un quiproquo, hein. Elle, elle pense qu'on kidnappe des gens, visiblement. Plutôt bizarre, mais on va pas se plaindre. Désolé de t'avoir laissé ici. Ça va. J'étais plus en sécurité dedans. Elle a pris le train en cours de route. Ha ha! Tu vas vraiment monter là-dedans? Bah ouais, mais on t'oblige pas à venir, tu sais. Elle a pris le train en cours de route, tu m'étonnes. I like trains. Condor! Non, c'est un Boeing 747. Je m'y connais. Oh, des petits jeux! Bah, ça fait mal. Visiblement. Ok, vous deux, surveillez le fabricator. Nous, on s'occupe de nos amis. Mais crevez. Mec, je lui mets que des shots, il crève pas, c'est ouf. Oh punaise, des schtroumpfs. Voilà une navette. Ça va exploser, reculez. C'est toi qui es mort là-bas? C'était moi qui t'ai... C'est ça le nouveau super soldat de Jin? Je suis pas lui qui ultra concentré sur... Je pense qu'il ah mais non. Fout, Oscar. Hey, on arrête de parler et on se bat. Voilà, ils m'ont éjecté encore, tire-toi ici. Ok, reste calme. Ah, c'est huteux. Elle est pourrie cette grenade! Oh, j'ai plus de munitions, bordel. C'est pas une vite. Prends l'overkill quand tu les auras butés. L'overkill. Ah, c'est ça l'overkill? C'est quoi, c'est un poupe? Ça va marcher. Deux fois par coup. D'accord, ok. Pas mal. C'est bon, on les a eus? Donc j'ai un pompe là qui tire deux fois par coup apparemment. J'ouvre la voie avec Kate. Bon, que les choses soient claires. Quand vous êtes arrivés, j'étais sur le point de sortir ma botte secrète à Jin. N'allez surtout pas croire que vous m'avez sauvé. C'est clair? Ouais. Mais y'a pas beaucoup de munitions dans cette pompe. Quelqu'un voit une issue? Hein? C'est quoi ça? Oh oh. Oh merde! Il défonce les murs! Je suis à terre! Oh, je me suis fait démonter. Y'a fait. Je l'ai bien fait. Par contre, ah ouais. Aux munitions, c'est pas la joie. D'accord, c'est violent. Effectivement. C'est plutôt violent. En fait, le fusil à pompe. Ouais, c'est plutôt violent, effectivement. Mais y'a pas beaucoup de munitions, quoi. Vite, par ici. Là, y'a des munitions, si tu veux. Ah, t'as... Qui porte le truc, c'est bon. De quoi? Une pompe hyper violente. Là. Et Kaeva, tu l'as dit aussi, chez Cal, t'es grillé. De quoi? Il est temps de se casser. Non, il nous donne des astuces à tous les deux en fait. Je suis assez souvent d'accord avec toi. Sur les deux chats, il donne des astuces. Parce que c'est des bonnes personnes. Ouais. Des bons gens. Graphiquement, encore une fois, ouais, je trouve ça absolument simple. Oh fuck it. Ça va péter. Ramène ta tronche, toi, et je te dégomme. Arrête, il est pas mort. Il était pas mort. Encore un
Merci. Ouh. Ah mais ils explosent à la fin quand ils meurent en fait, ok. Ouais, faut faire gaffe. Là j'ai l'impression... J'ai rechargé... J'ai l'impression d'avoir vidé mon inventaire de munitions sur lui. Salut Isa. Isa. Salut, salut. C'était quoi ça? Il y avait un ralenti ou quoi? Oh la vache! Il y a un gros monsieur. Ah bon? Fuck, ah oui. Mais j'étais à couvert. Hein? Bah c'est moi, il vient... J'attendais que le pouvoir trouver le bon moment. On se casse. Et il a perdu ses jambes. Ouais. C'est bon, le colosse est mort. Bon, on va bien jouer. C'est parce qu'on est bon, ça. J'ai récupéré les munitions. Oh non, pas encore. Oh la vache, c'est chaud. Je sais plus comment on fait pour passer d'un à couvert à un autre, là, comme ça. Ça galère un peu. Les munitions. Oh là 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 là. Moi je veux ça moi. Yes I. Oh là 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 là. J'ai plus de munitions, on a des coffres encore. Ah. Elle est pas très puissante cette arme en fait. Et heureusement qu'on est 4 hein, parce que... Bah elle est toute pourrie cette arme. Lâche-moi ça. Et... Où, quand ils émettent une petite... Alors s'ils font une petite lumière jaune, c'est que ça va s'auto-détruire, donc on a plus besoin de tirer dessus. Apparemment. Ah mais c'est chiant ça. Quand t'es en partie stun comme ça, et tu peux pas réagir. J'ai plus de munitions que tu veux que je fasse moi. T'inquiète, tu vas les dégommer. Il y a 2 tonnes de débris, mais j'ai l'impression que je peux rien ramasser en fait. Les armes sont un peu chiantes à trouver, effectivement. Je crois que par contre, il serait logique d'essayer de leur défoncer le... Ils sont tous morts. Les bras très rapidement. Ah ouais. J'ai l'impression qu'ils sont très fragiles des bras en fait. Il faut qu'on rentre et qu'on en parle avec Renard. Ah ouais, s'il y a bien une chose dont ma mère aime parler, c'est la CGU. Ah non, bah du coup, c'est peut-être pas la présidente, sa mère, je sais pas. Je sais pas c'est qui la mère de Kate, mais elle arrête pas d'en parler. C'est bizarre. Il y a quoi? Il y a des munitions. C'est bête de les gaspiller. C'est la gaming en sleep, comment vas-tu? Ah, et comment Gears 4? Bah, il est plutôt sympa, je trouve, pour le. On galère un peu alors qu'on est qu'en vétéran, mais. Et on suit rien du tout au scénar aussi, accessoirement. Bonne soirée, Tintin. Merci beaucoup pour ta visite, ça fait plaisir. Bisous, bisous, Tintin. Prends soin de toi. Et j'espère que tu tiens le coup. Ok, j'imagine que c'est par là. Non. Là-bas. Y'a ça. Surprise! Sauf qu'il y a personne, ça marche pas. Oui. Justement, je voulais faire un petit mode de... Surprise, man. Oh la vache! Okay. Réflexe. Je crois qu'en fait, il y a des gens. Ouais, mais ça marche pas, du coup, okay. Le surprise. Ils sont arrivés après. Je suis un peu déçu. Je te l'avoue, je suis un peu déçu. Grenade frag. Hop, on prend ça. Ces salauds m'ont cogné jusqu'à me la faire perdre. Parce qu'apparemment les grenades de choc, elles font pas beaucoup de dégâts, donc je prends les grenades frag. Tu peux toujours te réengager. Bah je pense que les grenades de choc, elles sont censées ralentir les robots. Ouais, mais bon. Bah les couilles, hein. C'est rigolo. Bah porte-le tout seul, ton truc. Du coup, le fait d'y jouer en coop, je trouve qu'on... On est un petit peu moins... On va dire concentré sur le scénario, du coup j'ai pas tout suivi, moi, je t'avoue. Bah, on a récupéré le fabricateur parce qu'on avait besoin de faire des ressources, ça ok. Mais pourquoi on est contre la CGU et tout, je sais pas trop, tu vois. Mais ça va être expliqué au fur et à mesure. Je pense, oui. Oui, on sait. Des R1,
Je sais pas ce que c'est qui m'a pété la. Ah, autodestruction. Faut se casser. Ok. Je vois clairement c'est quoi la petite lumière jaune dont tu parlais. Par contre, l'exécuteur, les munitions partent beaucoup trop vite. Hein. Notre module de largage. Oh, fais chier. C'est quand qu'on a un Lensor? Moi, je veux un Lensor. Tiens, quoi. Ah. Autodestruction, ouais. On la voit, lumière jaune. Pardon, pendant que je regarde mon chat qui plante. Attention, attention. Ouais, j'ai essayé de m'éloigner, mais il veut pas faire. Ça va marcher. Hésite pas à utiliser le fabricator si t'as plus de munitions. Ah, mais comment tu crées des munitions avec le fabricator? Mais tu reprends juste une nouvelle arme, tu t'en fous. Un DR1, ces trucs n'abandonnent jamais. Est-ce qu'on peut péter ses jambes, tu penses? Ah, j'ai pas l'impression. Mais plusieurs fois, je les vois avec les bras. C'est pour ça que je me. C'est bon, on peut y aller. Ça doit être un leur point faible. Vous inquiétez pas, la scénario du 4 est pas foufou, ok. Ah, ah, il a l'air, effectivement. De ce que vous nous dites, en tout cas, il a l'air d'être pas foufou. La Daronne a une place très importante. T'as raté une Kishrein. Oui. Ok. Attends, mais si je l'ai envoyé. La CGU est devenue dictatoriale depuis la fin de la guerre, elle a pris le pouvoir et plie tout le monde. D'accord, ok. Ok, voilà. C'est pour ça. Ça devient un peu en mode totalitaire, d'accord. Et nous, du coup, on dit un peu les avalanches de Gears of War 4. Le petit groupe terroriste qui est méchant au lieu de la loi, mais en fait, on est les gentils, quoi. C'est le shérif de Nottingham et nous, on est Romain Desbois. Je peux encore en trouver plein des comparaisons, si vous voulez. Vas-y, continue. Fais-nous rêver. Alors là, ce sont encore les affrontements. Oh fuck. Ah, là, j'aurais dû garder mon sniper, tu vois. Mais je n'ai plus mon sniper, gros. Ah. Par contre, j'ai un semi-automatique. Encore des pisteurs. Un bot en moins. Yes, aïe. Oh merde, il y a des petits. Ils sont casse-couilles ceux-là. Et les droïdes des castes, ils sont un petit peu chiants, hein, tiens. Regardez, la sortie. Ça va. Merde. Ça pourrait être pire, je pense. Les robots de Jean n'ont pas trouvé de chaise. Les robots de Jean n'ont pas trouvé de chaise. C'est quoi ces chaise? C'est quoi ces noms de personnages? Est-ce que Cal va encore tuer E.T. à la fin? C'est la question. Est-ce qu'à la fin je te tue dans ce jeu E.T. ou pas? Tu seras assez épuisé, t'en auras marre de me supporter, tu me tueras cette fois-ci. Ça sera la grande question. Ça sera pas dans le scénario, mais... Ok. Je peux pas prendre le fabricator, je sais pas pourquoi. Je peux pas t'aider à soulever? Ok, bah porte tout seul si c'est que ça. Bien. Ouais, apparemment le scénario du 5 il est pas mal. Mais on s'est dit autant faire le 4 avant le 5 quand même, tu vois. Une issue. Facile. Surtout qu'on a les deux quand on a le Xbox Game Pass. Et vu qu'ils sont courts... Seul un des potes peut faire marcher ce truc. Bon, ah oui, faut péter ça. Voilà. Dans Gears of War, quand il y a un problème, il faut tirer. C'est la base. Oh fuck. Je crois que j'étais dans la mise, ouais. Qu'est-ce que c'est que ce truc? Oh non! Non! Ah non! Ah bah non! J'ai en train de récupérer une arme. Ah non, hein. Je suis pas d'accord. On va galérer à le finir ce jeu, on aurait dû mettre en mode normal en fait. Hein. Arrête, non, on est bien là. Moi je trouve que c'est bien, il y a du challenge, c'est agréable. Je veux dire, s'il m'avait pas explosé la tête au sol pendant que j'étais en train d'essayer de ramper vers vous, ça serait bien passé. En même temps, avec des si, on ferait le monde. Mais je sais plus ce que c'est la phrase. Ah, mais on a atteint un nouveau chapitre, j'avais même pas vu. Acte 1, 3 nouveaux ennemis. Attends pour moi. Hein. Alors. Vous avez presque réussi à faire sortir le fabricator du corps. Et maintenant? Bien. Maintenant, on utilise cette grue pour se créer une... Alors, c'est quoi cette arme? Facile, hein? Y a pas de commande. Seul un des potes peut faire marcher. C'est bon. Ouais,
Ah ok, c'est un truc qui se charge, mais il faut pas le charger trop. D'accord. Ça a l'air d'être pas mal fort. Hop là, esquive. Bien joué. Ah oui, elle est pas mal forte cette arme. Mais elle a pas beaucoup de munitions. Comme d'hab. Ah non, mais moi j'ai servi à rien. Pourquoi toutes les bonnes armes elles ont pas beaucoup de munitions? M'explique. C'est chiant. C'est vraiment chiant. Je devrais pas rester là. Ah voilà. Ah le freeze. J'ai le freeze, ça y est. T'as le freeze. Le jeu a planté chez moi. Oh là là. ok. Iti? Oui, oui, je suis là, mais le jeu est freeze chez moi. Ah oui, non, le jeu... Dans quel sens. Alors moi, j'ai un screenshot. Moi, je vois le robot qui avance tout seul, c'est magnifique. Salut, toi. Ah, mais je trompe, quoi. Bon, bah, je voulais te quitter et de relancer. Bah, moi aussi, du coup. Hein. Revenir au menu principal, yes. Ah, j'aime les jeux qui sont bien codés. Alors si le problème vient de la narration, BG c'est justement qu'il est mal écrit. Je trouve pas qu'il soit mal écrit, je trouve que le problème vient de la narration. Justement, s'il est mal écrit, c'est que le problème vient de la narration. Ou si le problème vient de la narration, c'est qu'il est mal écrit. Après l'univers peut être très intéressant. Mais ça c'est pas lié à l'écriture de ce jeu là. Si la narration de ce jeu là est pas bien réussie, l'écriture du 4, elle est ratée donc. Même si ça peut avoir des thèmes intéressants et un univers intéressant, c'est juste que du coup, comme tu le dis, la narration est pas bien faite parce que l'écriture a été ratée pour ce jeu-là. Non, c'est pas la frise du live, c'est le jeu, mais il m'avait prévenu, Bobby, que sur PC c'était une horreur et que le jeu frisait et que tu pouvais jouer 40 minutes sans avoir de problème et puis après ça va se friser toutes les 5 minutes. Et il m'avait dit un numéro qu'il fallait télécharger. Mais je sais plus où j'ai mis le numéro, c'est 300 quelque chose, .54 je crois. Sauf que forcément, le papier entre temps, tout a bougé. Impossible de rejoindre l'escouade. Bah, je peux pas te rejoindre en plus. Parce que le jeu est encore en train de charger chez moi de démarrer. Il est pas installé. Tu l'avais relancé, j'avais pas vu. Ah bah je suis obligé de le relancer, moi il freeze en fait. C'est-à-dire qu'il est plus tout fonctionnel. Tu peux bien écrire et mal raconter. Oui, mais dans un film, dans un jeu. La narration découle de l'écriture et de la réalisation, mais... Après, je pense que tu vois ce que tu veux dire par bien écrit, c'est que le scénario en soi est pas mauvais, c'est juste que la façon de le montrer n'est pas la bonne. Je pense que c'est ça que tu veux dire, du coup. Appuie sur Alt plus G, hein, on peut faire ça pour ouvrir le Xbox Game Bar? C'est quoi le Xbox Game Bar? Je ne sais pas. En tout cas, ça ne marche pas quand... Ah si, voilà. C'est comme ça qu'on fait. Ah, et en plus, on a même tout le truc audio ici. Ah, mais c'est trop bien fait. De quoi? Alt G? Ça affiche tout par-dessus. Oui, ça met du temps à arriver. Mais ça affiche tout par-dessus. Même, du coup, le mixeur audio de Windows, si on veut rebaisser des trucs. Ah, mais c'est bien fait, ça. Moi, ça fait rien. Mais je peux pas te rejoindre. Si, voilà. Ok, bah moi, Alt G, ça marche. J'espère que ça va se garder, quand même. Salut, Dark Zeus. Salut Blue Monday, salut tous ceux qui sont arrivés, salut Streaker, bonsoir à tous ceux qui sont arrivés, là. Salut à vous. Continuez. Oh là là, c'est triste. Bah, le Gears 1, je l'ai... Oh, Blue Monday, d'ailleurs j'espère que tu vas bien. Gears 1, j'ai essayé de le faire, le remake sur PC, et il est optimisé avec le Q. Le quoi? Lequel qui est optimisé, hein? Gears of War 1 remake, enfin le remasterisation, elle est vraiment fait avec le cul. Vous avez presque réussi à faire sortir le fabricateur du corps. Parce que je fais quand même mieux tourner le 4 et le 5 que le 1 en remasterisé. Bien. C'est beau, c'est beau. On utilise cette grue. C'est bon, on redémarque pas trop loin. Bonne nuit alors. Facile, hein, c'est bon. Ouais. Allons-y. Allez. Yeah.
Ultra, ça servait à rien, ce que... Ça a servi à rien. J'ai du mal à voir la profondeur. Merde. Allez! Prends ça! Attention! D'autres snipers! Ça va marcher. Bon, bon, bon. Oh! On peut leur faire tomber des objets dessus, c'est trop cool! J'avais pas vu! Oui. Tout à l'heure, je fais ça, moi. Et c'est marrant, il y a marqué Gear 5 qui est là-bas. Ah oui, effectivement. Faut se faire des parties sur le 5. Bah le 5, c'est chaud, on peut se le faire ensemble, hein, effectivement. Après, si tu parles de jouer en multi, en mode l'un contre l'autre et tout, non, ça, non. Parce que c'est pas ma cam en PVP Gears. J'ai déjà assez de jeux en PVP pour ça. Putain, il est chiant le gros là-bas, hein. Est-ce que je l'ai bien lancé? Et bien sûr, non, je l'ai pas bien lancé. Ou c'est que tu l'as acheté la... Mais sérieux? J'ai l'impression que j'ai pas envie de te relever. Ouais, on s'est compris du coup, BG, on parlait bien de la même chose, effectivement. Attention! Par contre, c'est chiant ce gros truc rouge au milieu de l'écran parce qu'on voit plus rien après. C'est ça. Encore un veilleur en moins. Je trouve que c'est pas assez bien pensé, le truc qui est tout en haut à droite et le reste. Après, c'est mon point de vue, ça peut être que c'est mauvais, hein. Juste que j'ai du mal avec ça. Il peut pas faire comme tous les autres jeux où justement c'est la vision périphérique qui se brouille, plus tu perds de vie. Non, non, là ils te mettent un gros truc au milieu, ce qui fait que tu vois plus rien. Pour gêner, mettre un stress. Ah, mais c'est chiant. C'est bon, pas la peine d'en faire des tonnes. On arrive au bout. Petite cinématique. Votre copine, Jean, elle est du genre tenace. Je râle beaucoup, non? Oui, je râle beaucoup. Désolé, mon joli. Je conduis. Très bien. Tu conduis. Bon, j'ai besoin que tu nous couvres. Ah oui, quand même. Tu tires bien mieux que moi. Vraiment? Non! C'était juste pour te convaincre. Dans le 5, ça s'est amélioré. Oui, mais apparemment, le 5 a vraiment... Alors que justement, avec le Judgment et le 4, la licence s'est soufflée un peu, le 5 a rapporté des choses. Je suis soulagé de vous revoir. Je m'apprêtais à partir au camp 5. On a eu des imprévus. C'est sa maman ? Je fais court. La CGU va pas tarder. Et combien de temps on a ? Ah, je dirais à peu près 5 secondes. Ouh. Je vais aller l'accueillir. Madame la ministre ? Reyna, je suis ici pour mon peuple. Veuillez vous écarter. Vous n'avez aucune autorité ici, madame. Alors, voici ce qui va se passer. Ceux qui résistent à la visiteur du futur de la CGU seront punis. Comme au camp numéro 2 ? Vous avez le choix. Vous oubliez une chose. Ah oui ? Et laquelle ? This is Sparta ! Ici, ce n'est pas le camp 2. Ouais, c'est presque pareil. Réunion fructueuse. Ce n'est pas fini. Qu'est-ce qui s'est passé au camp 2, à ton avis ? Une grosse extermination ? Carmine ! Putain, elle est badass, sa mère ! Ah non, c'est pas bon. Sa mère, du coup. On doit sécuriser le hall avec le fabricateur. Allez. Bah, c'est sa mère ou c'est pas sa mère ? Mettez-vous d'accord, les gars. Ok. Toi, oh, putain, c'est stylé de ouf ! À l'infirmerie. Sans pas vous vexer, la crème anti-brûlure ne suffira pas. Les devbots ont des armes bien plus lourdes, maintenant. Ça t'a coupé, E.T. Jean est prête à nous tuer ? Oh, merde ! Regroupe tout le monde dans le grand hall, j'ai juste vite ! J'ai trouvé ça magnifique. Ah ouais, non, ça claque, hein. Oh, j'adore William, la direction là. Évacue l'école. Assure-toi que tous les petits sont sortis. Mais regarde-moi ça. Le truc chaos, c'est magnifique. Petit. Reyna, les armes de défense sont en place. Carmine, reviens ici. Ok, donc c'est bien sa maman. Et ben ma maman, elle est vachement badass. Alors que toi, ton père, il est mort, E.T. Espérons que ça suffira. Allez, rentre. Mais regardez-moi ça.
Je m'attendais pas à avoir une direction artistique aussi réussie dans un Gears of War, je t'avoue. Pour moi, Gears, c'était truc très générique. Bah, pour moi, c'était des trucs très génériques qui tu tires sur tout, quoi. Le fabricator. Yes. Ouais, mais elle a dit déploie, elle a dit déployer, lâche-le. Elle a pas dit déployer à l'intérieur. Allez, barricader la porte. Eh, où on en est? Tout le monde est là. Rien. Et Ellie. Ils vont bien, ils font du commerce avec le village du sud. On ferme. Kate, la CGU va vraiment venir nous emmener? Oui, Manchot. C'est vrai. Mais tu seras en sécurité ici. Je te le promets. Elle va crier maman un peu plus tard. Ah, donc sa mère va mourir. Si tu joues la fille, non, c'est pas sa maman. Mais oh, faut vous mettre d'accord. Oui, c'est possible, Authentique. À partir du moment où t'es follow à la chaîne et que les gens décident d'envoyer des subs à tout le monde, on est bon, tout le monde est là. Ça c'est... Oui, parfois je coupe un peu le son d'E.T. quand je vais voir un peu la cinématique. Va pas de main morte. Ouais, la subtilité n'est pas son fort. Eh bien, moi non plus. Défendez cette porte et montrons-lui ce qui se passe quand on attaque les étrangers. Allez, ça va, fight. Activez ce fabricateur et construisez-moi ses défenses. Oh, on va faire des fortifications, E.T. Oh, oui. Quoi? On fait des fortifications, c'est un tower defense. Hop, 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 hop. On prend quoi alors? T'as pris quoi là? Dis-moi ce que t'as pris. J'ai pris un truc pour étourdir, donc ce qui serait peut-être pas mal, c'est que tu viennes par là, tu me suives, et qu'on mette une tourelle à l'entrée dans le coin là. Avec la toile, je veux bien, mais la toile, on n'avait pas assez de... C'est vraiment mais c'est le mode Horde. Ils ont juste repompé le mode Horde, les bâtards. Ils ont pris le mode du jeu multi, puis ils ont dit, allez. Barrière, barrière. Ils vont arriver pas. Bah ça vient un peu de partout, tiens je vais mettre un truc là moi. Là il y a une grande porte par là-bas. Je sais pas s'ils vont atterrir en plein milieu ou pas en fait. Début de la vague dans 20 et quelques minutes. Hop. Puis sur retour arrière pour lancer la vague. Protéger en fait. On peut déjà plus rien construire, c'est génial. Bah ça augmente hein, petit à petit. Bah là non. Un Lensor. Oui. Y'a un Lensor. Ah putain, enfin. Le truc c'est que je sais pas trop par où ils vont arriver, donc là on a une barrière. En même temps je crois que j'ai pris le truc qui était plus puissant. Le truc c'est que je sais pas vraiment comment il marche, donc je sais pas où est-ce qu'il faut le placer. Bah il fait des chocs en fait, il balance de l'électricité donc peut-être près des escaliers comme ça s'il monte. Le problème c'est que je me dis, attends, est-ce que je peux le placer quelque part où il pourrait pas trop tirer dessus, au pire. C'est une bonne question. Ou mais cache-le derrière les boîtes sinon là. Je sais pas. Mettez-vous au niveau des escaliers, nous dit Kaïva. Kaïva nous dit de mettre au niveau des escaliers. Après lesquels telle est la question. Je pense qu'on regagne de l'énergie en tuant des monstres, en fait, E.T. Salut. Allez, ça a commencé. On est devant la porte. Trop tard. Ça a commencé, ça y est. Navette, on arrive. C'est parti. Ok. Il y a un mec sur une grosse tourelle, là-bas. Hey, Carmine l'a eu. Tu vois, ah bah. Kate, je suis un très beau professeur. Je lui ai ça tout pète au fond, là-bas, à gauche. C'est joli. C'est parti. Oh merde, Carmine. Mais c'est pas le soldat qui arrêtait pas de mourir, ça? Ces devbots veulent s'en prendre à mon peuple. Ils vont devoir me passer sur le corps. Ça va être chaud de les buter à cette distance. Donc il se rapproche un petit peu. On doit pas laisser ces devbots s'approcher des villageois. Et un bot détruit. Ah, oh la vache! Il a failli me one-shot. Voilà un condor! J'irais bien chercher la barrière pour la rapprocher en fait. Encore un meilleur en moins. Tu crois que je peux le faire pendant qu'on... Je pense qu'une fois que c'est posé, c'était posé. Non, normalement tu peux les redéplacer je crois. On a rien gagné de plus hein. Faut peut-être attendre la prochaine vague, E.T.
D'accord. C'est cool qu'ils aient intégré ce mode-là au... Bah c'est de la fainéantie, mais ouais. C'est la pire idée du siècle de mettre là, mais bon. Ah. Écoute, pour l'instant, on a pas beaucoup de gens des défenses. Hein. On a un autre condor. Yes, j'ai la barrière. Les gars, on a des pisteurs. Pisteur détruit. Joli. Bon, la barrière, elle a pris cher. Il faut des munitions, où est-ce qu'il y a des munitions? Suivant. Putain, elle tape personne la tourelle là, c'est de la merde. Il faudrait m'aider là. Fuck. Fuck. Je dois trouver des munitions. Ah bah la tourelle s'est fait dégommer. Comment ça la tourelle s'est fait dégommer? Elle a servi à rien. C'est magnifique. Quelle tourelle? La tourelle que t'avais achetée. Ah! On ne pouvait pas mieux tomber. Toujours rien là. Des munitions! La Russie a l'air poussée. Ah! Mais c'est que le début! On a besoin de fortifications! Construisez tout ce qui pourrait les arrêter! On va prendre l'autre tourelle plutôt. Hein. J'ai pris une tourelle déjà. Ah, l'autre tourelle, elle a un champ beaucoup plus large en fait. J'arrive pas à croire que Jin. Toi, elle est plus étriquée. T'as encore dû dire un truc désobligeant. Bah voyons, rien à voir avec le fait que t'aies essayé de la décapiter. Alors on peut poser ça où exactement, pour que ce soit efficace. J'ai bien envie de retenter les escaliers, hein. Ouais, moi je vais mettre les escaliers ici, je pense. Dans le coin, là. Mais en fait, ouais, la portée est pas ouf sur cette tourelle, hein. Sur celle que j'ai, là. Tu vois, la portée est pas... Donc bon. C'est juste s'il passe les escaliers, ça pourra canarder quoi, parce que la portée est vraiment pas ouf. Je vais la placer par là en fait. Moi j'en ai mis une sur les escaliers à gauche. Comme ça, si ça passe à gauche, il y aura une tourelle. Oh, un sniper. J'hésite. Qu'il se fasse tirer dans le dos. Il y a un gros pack de munitions ici, là où je suis, si tu veux, si t'as besoin d'en reprendre. Je crois que c'est un pack inépuisable. Un IT. Ok. Tout au fond, il y a un gros pack de munitions et je pense qu'il est inépuisable. Bon, tu la places ta toile là? Ouais, tant pis, je vais la mettre là en attendant, on verra bien. T'aurais dû la mettre par ici, hein. Genre derrière les caisses là. Bah, en fait, c'est le premier pas. Plan d'emplacement que j'ai. Oui, mais l'autre, elle avait une vision trop étriquée, l'autre toile. Bah elle était choquée, elle était censée être là pour les ralentir. Oui, mais elle avait un cône de vision très très faible. Ah, il y en a qui m'a explosé en plein la figure là. Un bot en moins. Elle tire la tourelle ou quoi? Ah mais ils ont déjà pété les caisses. Bah non, mais elle tire que dans un sens. Et moi j'ai placé de manière à ce qu'elle regarde l'escalier, je pensais pas qu'il pourrait péter le truc côté. Et un bot détruit. Ouais, alors ça sert à rien. Ah oui, rien, tu l'as vraiment mal placé en fait. Bon, ah, elle a aggro les ennemis quoi. De... Putain, ils sont résistants les ennemis quand même. Les laissez pas approcher de la porte. Je vais voir à gauche. Ah, ma tourelle a tué une personne. Félicitations. Attention, on espère qu'il débarque. Elle en a tué deux. Elle se fait dégommer tellement vite. Elles sont vraiment pourries les tourelles, hein. Je suis désolé, mais ça sert à rien, quoi. Ça y est, une nouvelle vague qui arrive au bout, là-bas. Allez, ma tourelle, elle tire. Oh, ils l'ont pété. Elle meurt. Ah, moi, elle en a tué trois, moi, la mienne. On en parle de la tienne? J'ai
plus de munitions. Ah, je suis KO. Tu m'as dit qu'il était où le pack? Protégez les villageois! Au fond, pas à droite. Ils sont, j'ai trouvé. Et il est, j'ai l'impression qu'il est illimité en tout cas. Ils attaquent la porte, qui c'est qui attaque la porte? T'as lâché ton poste, Titi! Bah ouais, j'ai plus de munitions, je pouvais vraiment faire aucun dégât. Effectivement. Et merde! Gardien déployé, cible détectée. Wow, wow, ah, c'est quoi ce mixage son pourri là? Oh merde, Jin a aussi boosté les guetteurs! Hé, hey, ils ont trouvé un autre moyen de monter! Bon, je pense à recharger, il est trop tard. Ah, oh, il crève pas! Abattez son bouclier! Je vais pas abandonner. Ah, c'est bon, yes! C'est... Non, je suis à terre! Joli. Ah, y'a ma maman qui m'a ressuscité! C'est ma maman qui t'a ressuscité. Maman! J'en ai besoin. Maman! Oh fuck. Allez, on doit protéger les villageois. Les laissez pas approcher de la porte. Ah, oh fuck. Ils font mal ces trucs. Yes, un en moins. Crève. Bonne nuit Kaïva. Merci d'être passé. Et merci pour tous les conseils. Bonne soirée. Bonne nuit, repose-toi bien, prends soin de toi, à la prochaine. Il y en a encore un là-haut. Sérieux, mais... Gardien détruit. Yes, I. Il y a pas une mission de ce côté-là. On a réussi à repousser les devbots. Encore une fois. Ça va pas aller en s'améliorant. Écoutez-moi, réparez ce que vous pouvez et remplacez le reste. Dépêchez-vous. Allez-y, les jeunes. Je m'occupe de la porte. Ah, encore une vague. Alors, putain, la vache. Pas du tout. La preuve, j'ai survécu au devbot du camp 5. Et sans une égratignure. Tu saignais quand t'es revenu. On n'a plus assez que pour des barrières. En me rasant. Voilà. Je vais mettre une deuxième barrière. Est-il le bleu qui se fait commander? Faites l'amour pour la guerre. Comment vas-tu, Zay? On va mettre double barrière, ma gueule. Vas-y. Je suis sûr que ça va marcher, le double barrière. Long shot. C'est un snipe. Mais il faut le recharger à chaque balle. Il fait beaucoup mal, hein, mais il a pas beaucoup de balles et il faut le recharger à chaque balle. C'est un peu chiant. Oh, des grenades frag! Génial! Merci bien. Maman, ils ont détruit les archives. Maman. J'ai vu, on a fait des copies. C'est bon, elle l'a crié, le maman. Mais pas des livres. Ce que papa attention. A récupéré après Jacinto. Kate. Ah, mais en fait, il y a tout des escaliers monde, devant aussi, j'avais pas vu. J'aurais dû peut-être lui mettre une barrière là, du coup. Rechargement initialisé. Ils doivent pas monter. Hop! Allez, on les désingue! Ok! Suivant! Ça va, les petits, ça va vite, aller péter. Il y a un bruit bizarre là. Ça fait de ouais, effectivement. Un truc genre. Eh, les barrières, ça marche pas trop mal, hein. En vrai. Module de langage! Reprendre des munitions. Tu t'occupes de la droite, du coup? Non, mais non. Au suivant. Ouais. Ça arrive devant. Ouais, je les vois. C'est devant. Ah, du coup, dès que je recharge, je mets mon œil en haut à droite pour voir quand est-ce que je dois appuyer sur le truc, quoi.
Crusher, initialisé. Ils doivent pas passer fois, peut-être. Yes. Je m'attends. Ouais. Peut-être que je faut pas que je parle trop vite sûrement mais. Mange. Ok. Et en vrai, les barrières, c'est vraiment pas mal. On pensait que les tourelles, mais finalement, les barrières, elles tiennent longtemps et elles font un peu de dégâts. J'ai buté un pisteur. Et elles bloquent les pisteurs en plus. Bon, par contre, ça leur fait du dégât. Ils sont pas bons, ça sent pas bon. Aidez-moi. Non, mais ça, le temps que ça change d'arme, c'est terrible. Ça a mal se passer, Oh là là, c'est pas bon. Ah, j'ai plus de munitions sur cette arme là, bah oui, mais je suis. Planquez-vous. Forcément qu'il y a plus de munitions sur. Puisque c'est pas une arme de la CGU. C'est bon, quelqu'un. Ils ont des pisteurs. C'est bon. Allez. Toute destruction. Heureusement qu'on a des alliés. Et en fait, les petites boules, laisse-les venir contre toi, comme ça elles vont s'auto-détruire, et là tu fais un dash. Comme ça tu n'utilises pas de munitions. Parce qu'elles commencent à se déployer pour exploser, donc dès que tu fais un dash, après c'est bon, t'es en dehors de la zone. Oh la vache! Il y a deux gros mecs. Yes, un en moins. Les grenades. Hey, on a un autre gardien. Je pense que c'est encore comme. Je vais mourir. Oh putain. Ressuscite-moi, maman. Maman, ressuscite-moi. Merci, maman. Yes. Pas dans ma ligne de... Ah, c'est vrai qu'on peut tirer sans regarder aussi. Oh oh. Ich. Munitions. Ah, j'ai besoin de munitions aussi, moi. Ah non, il y a de nouveau ceux avec les boucliers, là. Oh, fais chier. Ressuscite-moi, Grotta. Merci. Ils sont un peu moins réactifs sur la ressuscitation, nos alliés, là, maintenant. Peut-être un petit peu occupé, non? Ou le ressuscitage, je sais pas. Ressuscitation ou ressuscitage, tu penses? Lequel sonne le mieux? Eh bien donc, ça en fait une attaque. Ressuscitage, c'est bien. Quoique ressuscitation, ça passe bien aussi. Ah, oh, je sais pas. Hein. Maman, j'ai besoin d'un mercurochrome. Un petit coup de mercurochrome et on part à la guerre, voilà, c'est tellement tout. Tellement comme des... J'ai besoin d'un mercurochrome. Ah, mais allez, on les dégomme. Mais t'as pas pris le Lensor? T'es pas... Ah non, il y en avait qu'un. Ouais. Ah, dommage. Hey, c'était le dernier. Bien joué, les jeunes. Oh, on est trop fort. Ouh, j'avais pas vu, on en a une heure et quelques de rediff. Il va falloir s'arrêter là. Après la cinématique, on s'arrête là. Hein. Ceci. Qui nous fait celui-là? Ah non, c'est pas celui-là qu'il fallait. Eh merde. Eh JD, je crois que ça va chauffer. Oh non. Vous m'aviez promis que vous voleriez le Fabricator sans provoquer Jean. Mais vous nous avez écoutés. Ça n'a rien à voir avec le Fabricator. Alors, vous avez fait quoi? Jean, elle nous a accusés de kidnapper des gens. Je sais pas ce qu'elle racontait. Je vous avais averti. Me faites pas regretter de vous accueillir. Maman, elle ment et tu le sais. On s'en fout pas mal de la vie de la CGU. Sauf si on risque la guerre. Vous trois, amenez le Fabricator dans la centrale et installez l'inverseur. Jean reviendra, j'espère que tu le sais. Il faut partir, vite! Rétablissez l'électricité et faites mais vite! Arrête, tu peux pas me dire que je l'utilise pas, j'essaie de l'utiliser le plus souvent possible, mais des fois j'oublie. C'est tout. Toi, quand la CGU arrive, donne l'alerte! D'accord, chef! Hé, hey, tu as toujours dit que ce jour arriverait. C'est pour ça qu'on applique le plan. Les cinématiques sont très propres en tout cas. Hey
Hey, dis donc, on peut pas se grouiller, Reyna est déjà sur les nerfs. Ouais, je sais, mais ça arrête pas de merder. Ce machin a passé une sale journée. Ouais, et ben on va monter un club. C'est presque fini. Ok, JD, va à la commande. Et franchement, les cinématiques sont propres. Hein. Ok, balance la sauce. Putain, c'est pratique ce truc, je veux bien la même chose, t'as moi. Bien joué. Les gars. Allez, avoue-le, t'as presque failli perdre foi en moi. T'as touché un truc ? Quoi ? Qu'est-ce que tu entends par balle éclair, BG ? Y'a un truc dehors. Oula ! Venez. Maman ? Maman ! Kate, écoute, tu dois te cacher, et après, tu dois t'enfuir. Qu'est-ce que tu fais ? Kate, tu dois Maman m'écouter ! Ash. Je suis désolé, elle est badass. Ouais, mais elle est badass et elle meurt. Mais comme tous les gens badass. Ouvrez-moi ! Mais on peut pas t'ouvrir, c'est bloqué de l'extérieur. Il est con, celui-là. C'est quoi ces créatures ? C'est des locustes ? Qu'est-ce qu'ils foutent là ? Les gars, on aurait dit qu'il y en avait des dizaines, des centaines, une nuée de vermine. Tu fous quoi, mec ? Kate. Venez, on doit les suivre. On n'a aucune idée d'où sont partis ces putains de trucs. Écoute, Jean peut nous aider. Jean essaie de nous buter. Kate, écoute. Hé, hey, je sais que l'idée va pas te plaire, mais il y a quelqu'un qui pourrait nous éclairer. Jean connaît du monde qui peut régler ça. Écoute, tu sais tout aussi bien que moi... Dale, non. ...qui peut nous aider. De qui il parle, Dale, là ? Il peut nous aider ou pas ? Oui, il peut. La question est, est-ce qu'il voudra ? Allez ! Ça a l'air d'être beaucoup plus intimiste comme histoire, du coup. Mais les environnements, quoi. Venez.
Je m'attendais vraiment pas à ça en lançant Gears. Hein. Pour moi, c'était un truc où juste il y a des ruines de partout et puis tu tires quoi. T'avais dit qu'il serait là. Il est là. Il est toujours là. La maison a l'air abandonnée. C'est parce qu'il vit pas là. Suivez-moi. Il est comme ça parfois. Tu vas vite comprendre pourquoi. Merveilleux. C'est vrai que le sacrifice de la mère, il sort un peu de nulle part. Hein. Tu te dis pourquoi elle ne vient pas se planquer avec nous, tout simplement. C'est chelou. Mais bon, c'est juste pour faire du drama, quoi. Je comprends un peu le truc derrière. Alors apparemment, le pendentif que tient la mère avant de mourir, c'est un indice si on connaît bien l'univers de Gears of War, ce qui n'est pas notre cas, donc tant pis. Et donc E.T. est apparemment très important quand tu recharges. Si tu réussis à recharger sur la barre blanche, oui, après ça, tes armes sont plus de dégâts. Oui, c'est pour ça qu'à chaque fois, je râle parce que je vois très mal ce qui se passe en haut à droite et que ça m'oblige à rater et tombe dans la... Bah, il faut que tu dises que dès que tu recharges, tu regardes en haut à droite. Oui, mais c'est souvent, je prends pas le temps de recharger. Quand je vois que je charge et que c'est moi qui recharge, j'essaie de viser la barre blanche. Mais... Bah, dans ce cas-là, faut juste apprendre le timing, en fait. Mais c'est vrai que c'est pas très bien foutu. Faudrait que la barre apparaisse au milieu, en fait. Hein, ouais. C'est pour ça, ça fait depuis le début qu'on a commencé le jeu que je dis que le truc est super mal placé pour savoir quand est-ce qu'il faut charger. Et que ça oblige à la regarder en haut à droite. Donc c'est bien que j'essaye de le faire, quelque pas que je l'oublie, que j'en ai rien à foutre. Au final. Non, c'est vrai que c'est pas le truc le plus simple du monde. Mais je savais pas que ça doublait les dégâts si on arrivait pile sur la barre blanche. Bon, à savoir. Bon, en tout cas, cinématique assez propre, hein. Franchement, je m'attendais pas. Ah, bah oui. Après, j'ai pas fait les autres Gears of War. Le 1, j'avais fait un peu le début, mais il buguait tellement sur PC que. Mais moi, de ce que je me souviens des environnements, oui, c'était des trucs un peu bateaux, quoi. Là, je m'attendais pas à de la verdure, de la nature et tout. C'est cool. J'aime bien. Et même si c'est pas le scénario du siècle, ça a l'air d'être pas mal, c'est un peu plus intimiste. C'est une sorte. Mais même dans le premier, les environnements étaient plutôt variés en fait quand on y regarde. Donc moi pour l'instant ça me plaît bien. Vraiment, en vrai. Ah bah c'est cool. Cool, cool. Par contre, je vais devoir arrêter là pour ce soir. Oh. Ah bah oui. Mais d'abord, je vais arrêter là pour YouTube. On va dire au revoir à YouTube quand même parce qu'ils sont avec nous depuis plus d'une heure et 10 minutes maintenant quand même. Donc merci beaucoup YouTube d'avoir regardé cette vidéo. On vous fait des gros bisous comme d'habitude. Vous pouvez mettre les petits pouces bleus, partager tout ça. Allez voir la chaîne de mon camarade E.T. Allez lui donner des petits dons ou un petit utip. Ça fait toujours plaisir. Et puis j'espère que ça vous a plu. On se retrouve très bientôt pour la suite de ces folles aventures. En espérant qu'on va prendre un peu plus en main le jeu et un petit peu moins mourir sans arrêt, ça serait cool quand même. Mais en tout cas, belle découverte. Je pensais pas que j'allais être autant scotché par les visuels de ce jeu. C'est cool. Voilà. Allez, gros bisous, portez-vous bien, à la prochaine. Tout ça.